Allô? Ok, je suis peut-être un peu saoule, mais je sais encore où j'habite et là, c'est pas vers chez moi, non. On n'est pas dans la bonne direction. Ok, c'est pas grave, écoutez, vous pouvez me déposer? Vous pouvez me déposer? Je vais continuer à pied en fait. Monsieur, laissez-moi descendre. Laissez-moi descendre! Pour la dernière fois. Les recherches révèlent d'importantes similitudes avec d'anciennes affaires. En effet, plusieurs cas de disparition auraient été signalés après que des jeunes femmes soient montées dans des véhicules de type berline noire. Les experts s'orientent donc vers la piste du tueur en série. La brigade criminelle tente de faire la lumière sur cette affaire. Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons plus d'informations. Bonsoir. Je vous dépose. Où est-ce que vous habitez? J'habite 11 rue de la République. Alors, 11 rue de la... Attendez, vous avez besoin d'un GPS pour vous y rendre? Vous êtes vraiment chauffeur? Hein? Non, moi en fait le truc c'est que je suis pas de la région. Ben ouais, je suis de la province. Je suis venu quelques temps pour aider mon oncle. Comme il est malade. Mais rassurez-vous, hein, je vais vous déposer à bon port. Vous inquiétez pas, hein. Ça fait combien de temps que vous êtes sur Paris? Là, ça va faire... 2 semaines, si je dis pas de bêtises. Ouais, 2 semaines, tout juste. Mais je vais pas vous mentir, ma province, elle me manque. Paris, c'est pas trop mon truc. Hein. D'ailleurs, je comprends que vous ayez peur. Avec tout ce qui se passe en ce moment, ce qu'on voit dans les médias, tout ça... Même nous, on a peur. Hein. Vous, par exemple, pourriez être une grande criminelle. Enfin, je sais pas, je dis ça comme ça. D'ailleurs, vous faites quoi dans la vie? Vous n'allez pas me croire. Allez, pas de secret entre nous, vous pouvez tout me dire. Vous êtes quoi, mannequin, c'est ça? Non? Présentatrice télé, alors? Non plus. C'est juste là. Ah, bah vous faites bien de me le dire, moi j'allais prendre de l'autre côté. Attendez, attendez. Je voulais savoir éventuellement...
Comme je suis pas du coin, est-ce qu'on pourrait se revoir autour d'un café, prendre un verre? Puis comme ça, vous pouvez me faire visiter la ville. J'aimerais bien, mais je suis un agent secret en mission. Je dois trouver et éliminer Jason Bourne. Agent secret, rien que ça. Ouais. Bah attendez. Je vous laisse ma carte au cas où. Si jamais Samina Seri vient pas et que vous cherchez un taxi, bah vous savez qui appeler. Ces cauchemars. Ce qui s'est passé cette nuit-là, c'est pas ta faute. Alors maintenant, tu vas m'arrêter tes virées nocturnes parce que je vais pas pouvoir couvrir tes conneries bien longtemps. Donc tu vas rentrer chez toi et te reposer, ok? C'est bon, je me suis assez reposée là. Tu m'as fait une promesse, Stéphane. T'as trouvé quelque chose, une piste? Qu'est-ce que je pensais? Attends, mais hey, oh, tu crois que je me tourne les pouces là? Tu m'as pris pour un emploi fictif? La sœur de ma meilleure élément se fait assassiner, tu crois que je vais rien faire? Il y a des milliers de VTC sur Paris. Plus les compagnies indépendantes, les VTC clandestins, qu'est-ce que tu... On attend quoi alors? On attend quoi? Hein? Combien de victimes pour avoir un indice? La scientifique n'a rien trouvé d'exploitable, les recherches ADN n'ont rien donné. On n'a rien! Ah ouais, si, excuse-moi. Quelques témoignages de Tox et de Clodo qui voient des filles monter dans des voitures. Ni portrait robot, ni profilage crédible du tueur. Et toi, tu me demandes de rester là, à me reposer? Mais t'es sérieux? Fous de ma gueule, quoi! Vas-y, lâche-moi. On est la mauvaise direction là. Chez moi, c'est de l'autre côté. Thank you.
Et tu as planqué où le matos? Toi, t'es tout foutre de ma gueule, toi, hein? Stéphane! Voilà, on a trouvé, hein? Tiens. Oh putain, merde. Bon, les gars, vous me l'embarquez, vous appelez le procureur, je dois filer, ok? Putain, Stéphane, t'es pas sérieux là? Oh, Stéphane, je vous appellerai! Faut que tu me localises un numéro là, tout de suite là. C'est bon, j'attends. Ça va? Putain. T'as bien fait de garder ton téléphone. Qu'est-ce que tu fous là? Putain, t'as complètement pété les plombs, toi. Nettoyer ce merdier, d'accord? Je suis désolée, mais que je l'ai pas. Je vais appeler quelqu'un pour m'accompagner. Je vais appeler quelqu'un pour m'amener. Sûr? Ok. Allez, c'est fini. Thank you.
Ça va? Vous faites une drôle de tête, hein. À vous voir, on dirait que vous avez passé une sacrée soirée. Et votre ami, l'autre, là, chez Zonbourne, vous l'avez retrouvé? Mieux que ça. J'ai buté l'assassin de ma sœur. Vous êtes sûr d'avoir eu le bon ?